bienvenue pour une vidéo spéciale couverture tant attendue que j'ai plutôt envie d'appeler l'aventure couverture 2024 parce que ça me tente bien de me donner des rendez-vous dans l'année pour faire le point sur les couvertures dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors on est bien installé là, on est dans la chambre, je me suis mise sur le lit, j'ai tout pris ce que j'avais en cours, ce que j'ai commencé, ce que j'ai l'intention de commencer et là on est dans l'endroit où il y a la plus belle lumière aujourd'hui. Ce matin, c'était un temps couverture. Hein. C'était brouillard et temps si froid. Il faisait froid ce matin, c'était si humide. Mais là, le soleil est arrivé et je pense que la lumière va nous permettre de vraiment bien voir les couleurs, les laines, les projets. Bref, c'est parti. Petite parenthèse avant de commencer à parler des couvertures d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les couvertures que j'ai pu faire dans le passé. Je vous ai fait un clip musical en début de vidéo avec les noms des couvertures qui défilaient. Certaines sont associées à des patrons. D'autres sont des couvertures uniquement de restes que j'ai fait avec des points ou que j'ai crocheté comme ça, vraiment très simplement en granit. Donc les couvertures qui sont elles associées à des patrons, eh bien vous allez retrouver les liens en barre de description, notamment avec tout le détail de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais sachez que je ne fais pas de traduction de patron, la majorité des patrons de couverture sont en anglais, c'est pour pas dire tous. Donc je ne fais pas de traduction de patron, je ne fournis pas non plus de patron, les liens que je vais vous mettre sont très clairs. Il y a des photos en pas à pas, il y a les explications qui sont très bien et vous pouvez retrouver très facilement sur internet les conversions des termes anglais au crochet, notamment à la version française. C'est plutôt facile, donc je ne ferai pas de traduction ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment une masse de travail énorme et je pense que c'est quand même accessible à tout le monde. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous préciser. Vous allez retrouver tout le détail en revanche des couvertures dont je vais vous parler. Vous allez pouvoir vous référer aux liens et aussi des boutiques où j'achète les laines. Parce que les laines acryliques, pour les couvertures, elles sont vraiment top. Voilà, donc je vais vous mettre tout ça en barre de description. Et par contre, juste aussi une petite mention, c'est que une couverture dont je vais vous parler, je vous ai préparé une partie tuto à la fin de cette vidéo qui peut vous guider sur le montage des carrés, notamment pour cette couverture comme la Memory Blanket, Patchwork Blanket. Je vous ai préparé un tuto. C'est un patron gratuit, donc je peux vous en parler et je peux vous montrer comment faire pour le montage. C'est un peu particulier, mais c'est facile et c'est plutôt agréable à faire même. Donc voilà, je vous ai préparé ça parce que je sais que j'aurai beaucoup de questions là-dessus. Mais sachez-le, le patron est très bien expliqué aussi, il est très simple, ça va juste vous guider. Hein. J'ai essayé de faire ça clair, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, c'est parti, on rentre vite dans le vif du sujet avec ma première couverture coup de cœur qui est celle-ci. Cette couverture, c'est vraiment le coup de cœur douceur, je l'aime tellement, je regrette pas du tout de l'avoir commencé. J'avais fait la Memory Blanket, enfin non, je l'avais pas faite. J'avais commencé une Memory Blanket il y a quelques années, mais j'avais pas eu de plaisir. Le fait que ce soit en fingering, des petits carrés sur des petites aiguilles, je trouvais que c'était long et puis mes carrés n'étaient pas beaux. Puis voilà, j'avais pas de plaisir à la tricoter. Or, au mois de décembre, juste après Pull&Bear, avec mon amie Stéphanie de la fenêtre au petit pois, on a eu envie de se tricoter quelque chose douceur, notamment une couverture. Et on est parti toutes les deux avec à l'idée la Memory Blanket. Mais je me suis souvenue aussi que So Sweet Violet, qui est une anglaise qui a une chaîne YouTube, a tricoté plusieurs couvertures dans le format couverture de bébé avec ce style de carré comme la Memory Blanket. Mais ses finitions étaient vraiment belles. Donc je suis allée voir ses projets sur Ravelry et je suis allée lire ses notes. Et je me suis rendu compte qu'en fait elle utilisait non pas le patron de la Memory Blanket, mais le patron de la Patchwork Blanket. Et je suis allée chercher le patron, c'est un modèle gratuit. Et effectivement, je trouve que peut-être les explications ou le patron, les finitions me conviennent mieux. En tous les cas, j'ai beaucoup plus de plaisir à la tricoter. J'ai aussi fait des modifications, alors je vais vous la montrer en grand et puis je vais vous donner le détail de ce que j'ai modifié. Voilà où j'en suis. Donc là, il me reste cette ligne-là à compléter, mais j'ai déjà fait tout ça. Et je crois que les couleurs me plaisent tellement. Je pense que ça aussi, ça joue dans le plaisir de la tricoter.
J'ai bien travaillé au mois de décembre dessus. J'avais fait 25 carrés au mois de décembre. Je l'ai commencé le premier. Je vous mettrai aussi l'article de blog que j'ai écrit dessus parce que je vous mets le détail de cette couverture. 25 carrés en décembre. J'en ai fait un peu moins en janvier puisque j'ai préparé le tutoriel que vous allez avoir en fin de vidéo. Donc j'ai pris plus le temps de tricoter les carrés pour vous montrer. J'ai aussi attendu que le soleil soit là pour faire des belles vidéos. Donc voilà, j'en ai fait un peu moins. Mais ça va quand même assez vite. J'essaye de faire un carré par jour et si je peux pas, bah, je me rattrape. Le week-end, j'en fais 3-4 et puis ça va vite et puis c'est tellement agréable. Puis après, on se dit, oh, puis une autre couleur, et puis une autre couleur. Puis qu'est-ce que je mettrais bien comme couleur ici et là? C'est trop chouette. Alors, j'ai fait des modifs. Je vais vous donner le détail. Normalement, ce genre de patron, c'est fait pour du fingering. Des petites laines à chaussettes avec des aiguilles de petite taille, hein, 3, 3,5, quelque chose comme ça. Et comme je vous le disais, je trouvais ça vraiment trop pénible. Donc je me suis dit, parce qu'avec ce modèle de couverture, vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez prendre la taille d'aiguille que vous voulez, la taille de laine que vous voulez, les grosseurs de laine, je veux dire. Enfin, vous pouvez, voilà, l'adapter à vos goûts. Et j'ai pensé que la taille de laine et d'aiguille qui me convenait le mieux, c'était 4 mm et du diquet. Donc je me suis dit, ok, j'ai plein de mini, j'ai plein de restes de fingering, mais pour que ça donne une taille diquet, je vais mettre du mohair avec. Et ça va non seulement grossir ma taille de laine, mais ça va aussi apporter un max de douceur. Et alors, qu'est-ce que j'aime bien quand ça fait du fil comme ça, là, des fibres qui sont dessus et qui sont vraiment... c'est vraiment... J'adore ça, les fibres qui ressortent comme ça. C'est tout doudou. Alors, ce que j'ai fait... c'est que j'ai préparé un sac et au passage, ça c'est le sac pochon, vous pouvez retrouver le patron dans ma boutique Etsy, c'est le sac pochon grande taille. La seule chose c'est que je l'ai un peu allongé et au lieu de mettre un seul panneau de tissu, j'ai pris différentes bandes de tissu. En fait vous voyez c'est pas le même, ici vous avez la couronne de fleurs ici et là vous voyez c'est juste du pain. J'ai mis des bandes de tissu que j'ai coupées et que j'ai cousues ensemble pour avoir un devant et un derrière exactement pareil. Et puis voilà, je les ai cousues. Après, j'ai utilisé le patron du sac pochon. À l'intérieur, j'ai mis un beau tissu Capkid Stone. À l'intérieur, j'ai regroupé toute la laine que j'utilise. J'ai mis du mohair. Alors, comme je vous disais, j'utilise le mohair. C'est de la Kid Silk hein, de chez Drops. J'aime beaucoup cette laine. Je trouve que c'est le meilleur mohair, je trouve. Rapport qualité-prix, il est vraiment très très bien. Donc j'utilise cette couleur, donc c'est du blanc. Et je garde le blanc pour toute la couverture. Je suis partie avec 10 balles de laine de mohair. Jusqu'à date, j'en ai utilisé 4,5 pour cette grandeur. 4,5. J'ajusterai au fur et à mesure. Je ne sais pas encore quelle grandeur de couverture je vais faire. Je pense la faire pour mon lit ici. Je pense que ça ira bien dans la chambre pour l'hiver. En tout cas, c'est le fun. Les couleurs sont si chouettes. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous mes mini. J'ai pris aussi, comme je vous disais, de la Drops, mes alpaga, flora, tout ce que j'avais, des balles qui étaient toutes seules. Et puis, j'ai tout regroupé par couleur. Au début, je mettais tout dans le sac comme ça, puis j'y allais. Au début, on ne fait pas trop attention hein, aux couleurs qu'on utilise. Puis après, on essaye d'équilibrer pour pas que ce soit trop proche. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est fou, mais il y a une ligne, c'est cette ligne-là. Regardez. Il y a deux couleurs qui se ressemblent. Et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes laines. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Et c'est pas du tout les mêmes laines. Et pourtant, et vous voyez, alors elles sont juste sur la même ligne, mais c'est vraiment surprenant parfois. Vous avez des mini qui sont pas du tout pareils. C'est pas du tout la même marque. Il y en a une que j'avais achetée, il y en a une que j'ai teinte moi-même. Et puis d'un autre côté, vous mélangez avec le mohair et quand vous le tricotez, ben, vous vous retrouvez à avoir des laines qui sont semblables. Et c'est vraiment rigolo. Ça fait 2-3 fois que ça m'arrive. Des laines comme ça qui sont plutôt proches
Et je trouve que c'est... Bah tiens, c'est rigolo, quoi. Parce qu'on se dit, tiens, ça, c'est pas du tout la même marque. Et puis, on a les mêmes couleurs. Donc, j'essaye maintenant de gérer ma position des couleurs. D'où les sacs en plastique. Alors, c'est pas super beau. C'est pas super agréable, mais c'est drôlement pratique. Donc, j'ai du vert. Et j'ai reçu cette semaine les mini échevaux de Homespun House. Je suis sur leur Patreon, abonnée à un tiers qui permet d'avoir des mini échevaux, donc 3 mini échevaux tous les mois. Donc ça, c'en est 2 que j'ai reçus cette semaine qui sont le mois de décembre. Décembre 2023. On les reçoit toujours un mois après. Ça, c'est la laine Célène que j'avais acheté dernièrement aussi, que je vais mettre dans ma couverture. Donc ça, c'est les bleus et verts. J'ai des bruns, rouille, moutarde, orange, etc. Alors j'en ai un petit peu moins, j'essaie d'équilibrer. J'ai sorti du jaune de chez Drops que j'avais aussi, c'est pareil, j'en ai qu'une balle, donc je vais la mettre dedans. Et puis j'ai tous mes roses et mes violets pour que ce soit quand même une dominance de rose dans la couverture. Voilà. J'ai mis tout ça comme ça. Et puis, bah, comme je vous le disais, mes mohairs qui sont tous regroupés aussi. J'ai ma trousse que j'ai faite aussi. Et cette couverture, donc je la tricote donc en diquet avec des aiguilles 4 mm. C'est des aiguilles que j'ai eues chez Lily comme tout. On m'avait recommandé les aiguilles Cynite. Et ben je les aime beaucoup. Donc c'est des aiguilles circulaires qui sont en bois. Et elles sont bien agréables parce qu'elles elles tournent sur elles-mêmes. Le câble est... transparent en plastique. Et alors pourquoi les aiguilles circulaires, je tricote en aller-retour, hein, c'est un tricot à plat, mais c'est drôlement bien quand on veut garder le carré. Par exemple, je commence un carré et je peux pas le terminer tout de suite, bah, je le laisse en attente et du coup sur le câble il est sécurisé que sur des aiguilles double pointe ou des petites aiguilles droites, et j'ai peur que ça parte. J'ai acheté des embouts aussi, alors là je me suis fait plaisir parce que c'était au mois de décembre. On était en plein dans le côté festif de décembre et je me suis pris des bonhommes des bonhommes pains d'épices. Ah, c'était douceur maximum. Je crois que c'est ce que j'ai tricoté le plus au mois de décembre, cette couverture. Vraiment, c'était un régal. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais c'était une période où je filais pas terrible, hein, donc... tricoter une couverture quand on n'est pas en grande forme, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc les embouts, les aiguilles. Je garde toujours aussi un marqueur pour bien marquer le centre de ma couverture pour mes réductions. J'ai mon aiguille à laine, les ciseaux aussi bien sûr, et puis l'aiguille à laine, c'est une pony. Je les aime bien, ces petites aiguilles à rentrer les fils. Je les ai eues chez Hobby. Voilà, je garde tout ça toujours dans ma trousse parce que je rentre mes fils au fur et à mesure pour avoir quelque chose de bien net. Alors, vous allez voir avec le tuto comment on monte et on relève les mailles. Mais voyez que chaque fois, on fait des carrés, des lignes, etc. Alors, ce que j'ai fait pour me repérer, j'ai mis le marqueur pour repérer mon premier carré qui a été monté. Parce que tout part de ce premier carré. Tout part de lui. Parce qu'on fait d'abord lui, ensuite lui, 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 et après, hop, on grandit les lignes et on remplit au centre. Donc après, on se retrouve à faire bah, des lignes au complet comme ça, là, là, à nouveau au-dessus, à nouveau sur le côté, et ainsi de suite. Donc je rentre les fils au fur et à mesure. J'aime beaucoup beaucoup la méthode qui est utilisée pour les mailles en début et en fin de rang. Ce qui fait que ça nous fait une belle finition et pour relever les mailles c'est bien. Ça c'est l'envers de la couverture. Et vous voyez que sur l'envers, ça vous fait des petites lignes rebondies comme ça ici. Donc je rentre les fils au fur et à mesure, mais uniquement quand j'ai fait la ligne d'à côté. Je vais vous en montrer un exemple. Là, je suis en train de faire cette ligne-là. Elle n'est pas terminée.
reste 3 carrés à faire. Donc, tant que les carrés ne sont pas tous faits sur la ligne, je ne rentre pas encore les fils. Je vais attendre que tout soit fait pour rentrer ces fils-là. En revanche, je ne vais pas rentrer ces fils-là tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait l'autre bande. Et pourquoi ? En réalité, parce que je me suis rendu compte au début que je les rentrais. Vous voyez là, sur le bord, je pourrais très bien rentrer les fils tout de suite. Mais si je le rentre, ça retrousse un peu trop le coin. Or, quand on relève les mailles, on a besoin de relever le bon nombre de mailles et de commencer bien dans le coin pour être sûr d'avoir toutes nos mailles et de finir dans l'autre coin. Et si on a le coin qui est retroussé, on risque de se tromper. On a un petit décalage et aussi l'aiguille a du mal à passer dans le coin. Donc je rentre mes fils uniquement quand j'ai monté le rang de carrés d'après. Et ça marche plutôt bien. Ce qui fait que les coins sont bien alignés. Je vais vous montrer, regardez. Je trouve que c'est pas pire hein, comme système. C'est bien aligné. Hein. Voilà. Ça au début, vous voyez, alors là ça c'en est un bon exemple. Au début je rentrais mes mailles. Et là vous voyez, il n'est pas si bien aligné qu'après. Et je me suis rendu compte de ça. Ce qui fait que je rentre les fils pour pas avoir une tonne de fils à rentrer à la fin. Mais par contre, je le fais au fur et à mesure que je monte mes autres lignes de carré. Et c'est vraiment le fun comme ça. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai modifié la taille aussi des carrés. Donc pas seulement de la laine, mais aussi de la dimension. Je suis partie avec 56 mailles par carré. Ça fait quand même des grands carrés. C'est ce que je vous disais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Modifier la taille de l'aiguille, la taille de la laine et la taille de votre carré. Voilà, donc là je suis partie avec 28 mailles pour avoir mes carrés. Une autre chose aussi à laquelle je fais bien attention, donc j'ai mis un marqueur aussi pour bien repérer l'endroit de la couverture au début. C'est important, après c'est plus important parce qu'on arrive à repérer l'arrière vu qu'on voit là où on a relevé les mailles. Mais au tout début, on risque de se mélanger. Donc j'ai mis le marqueur pour mon premier carré. Je sais que c'est à partir de là qu'il faut que je me repère parce qu'il y a un sens. Regardez, vous voyez, il y a un sens aux diminutions. Et donc si je me réfère à mon premier carré, mes diminutions, elles font que les lignes sont comme ça. Ça, vous allez le voir dans le tuto. Je vous l'explique très bien pour vous montrer. Vous avez une ligne qui part sur la gauche, une ligne qui part sur la droite. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça si vous voulez que vos diminutions soient toutes dans le même sens. Après, c'est possible de faire des carrés qui soient à l'opposé. Hein. Vous avez des couvertures. Vous avez les diminutions de carrés qui partent par là, les autres par là et les autres vers le bas. Vous pouvez amusez-vous à gérer. Mais si vous voulez que tout soit dans le même sens, c'est bien important de se repérer. Je vous donne un exemple, regardez, là vous les voyez bien. Les lignes, elles sont toutes dans le même sens, les lignes de diminution. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le marqueur pour me repérer. Et pour l'endroit aussi, pour être sûr de ne pas monter mon carré à l'envers. Voilà, je pense que c'est pas mal tout ce que je peux vous dire sur cette couverture. C'est à continuer, c'est celle que je tricote le plus. C'est celle que je sors le plus souvent. Et alors, oh, les couleurs, je trouve ça le fun de découvrir ce que ça donne au fur et à mesure. Voilà. Vraiment le gros projet. On continue avec une couverture tricotée que j'ai commencé il y a quelques années. Dans le but d'utiliser un calendrier de l'Avent que j'avais acheté, c'était de la laine norvégienne. Et puis ça doit faire au moins 5 ans que j'ai cette laine, j'ai jamais su comment l'utiliser. J'avais commencé des chaussettes mais ça rendait pas bien. C'est plein de mini hein, qui se suivent, le dégradé est très beau. J'ai aussi un gros écheveau qui était avec, mais j'ai jamais su vraiment comment l'utiliser. Et puis j'ai à ce moment-là découvert le patron de Molyclat qui s'appelle le Cozy Comfort Pro. Et c'est une grande couverture qui est tricotée au point mousse. Ça a la taille d'une personne, hein.
petit peu plus qu'une personne. Regardez, je vais la mettre jusqu'au bout de mon câble. Là aussi, je devrais mettre des arrêts bail parce que. Et elle est encore pliée la couverture, vous voyez, c'est quand même assez bien pour une personne. Donc j'ai commencé à faire ce patron, c'est un patron payant, qui est très simple en réalité, puisque c'est du point mousse. Donc vous montez vos mailles, vous tricotez en point mousse, vous changez vos couleurs comme vous voulez. Je sais que Molyclat, elle utilise ses calendriers de l'Avent Caltin, donc il y a un beau dégradé. Et l'idée, c'est de mélanger un fil de fingering de mini avec un fil fingering d'un écheveau complet. Ce qui vous fait la laine assez double. On tricote avec des aiguilles du 5 mm. Donc c'est assez épais. Ça monte quand même bien. Sauf que là, j'utilise de la laine rustique. Donc ça glisse pas super bien sur les aiguilles. C'est un peu rêche. Donc ça prend un peu plus de temps, on va dire. On va dire comme ça. Mais elle est très chouette. Alors, je vais vous montrer. J'ai quand même pas mal de mini encore. Attendez que je vous montre ça sans détricoter ma couverture. Voilà, ça c'est mes mini. J'avais le gros écheveau qui lui est dans une couleur, j'allais dire complètement différente, parce que vous voyez, j'ai les mini qui sont comme ça. Et le gros écheveau qui est vert. Alors certes, on retrouve un peu de couleur, mais il a quand même une dominance de vert. Ce qui fait que je ne peux pas faire un dégradé au complet, ça va me faire un immense coin vert et puis que des toutes petites couleurs. Donc j'avais commencé par tricoter des couleurs de mini. Et puis là, j'ai alterné avec le gros écheveau. Et ensuite, je reprends des mini. Et je vais alterner à nouveau avec les gros écheveaux. Je le tricote avec du Bio Shetland. Alors je crois que j'ai le label ici. Je me suis dit tant qu'à faire, on va rester dans la laine rustique. Je prends de la BC Garn Bio Shetland, blanche. Et je la mixe donc avec les mini. Donc vous voyez, les deux fils sont ensemble. Là, je suis en train de tricoter la couleur pêche, orange pêche. Bon, après, il va falloir que je rentre un peu les fils parce que j'essaye de les tricoter en allant aussi, mais bon, des fois ça ressort. En tous les cas, j'avais commencé ça. J'y ai pas touché pendant un bon bout de temps. Et puis, figurez-vous que ma fille vient de finir de se tricoter le Sophie Charles et elle me dit, ça y est, je suis partie pour me faire une couverture. Elle a récupéré plein de balles de laine que j'avais à droite à gauche, qui lui plaisaient. Et elle m'a dit, en fait, je veux me tricoter une couverture comme elle vient. C'est-à-dire, si c'est une laine fingering, bah, je tricoterai la fingering, je prends les aiguilles 4 mm et puis je tricoterai avec. Et puis si c'est une laine un peu plus épaisse, bah, je la tricoterai aussi avec les mêmes aiguilles. Et puis, elle a dit, je veux que ce soit une couverture moche, pas moche. C'est, faut la suivre, hein. Mais ce sera tout un mix. Et j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça l'idée plutôt bonne. Et je lui ai dit, bah let's go, de toute façon ça te fait pratiquer ton tricot. Elle se met bien au tricot. Hein. Et puis on s'est parlé des tailles de couverture. Elle m'a dit, si je commence ma couverture, est-ce que ça te tente de tricoter la tienne en même temps? Du coup on va se tricoter toutes les deux nos couvertures comme ça en point mousse. Et puis la mienne avec le calendrier de l'avant. Et puis Cheyenne avec sa couverture de plein de morceaux de laine, comme ça vient, comme elle m'a dit. Voilà. Donc ça, c'est la couverture tricotée. Je ne m'étais pas fixée hein, vraiment d'objectif sur cette couverture. Je m'étais dit au moins, ce sera un jour tricotée, terminée. Cheyenne l'aimait bien parce qu'elle aime bien le point mousse. Donc je m'étais dit, bah, je la ferai, puis je lui donnerai. Puis finalement, elle m'a dit non, 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 et je vais me faire ma couverture, moi aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi une couverture tricotée. J'espère en faire des petits bouts quand même cette année pour l'avancer. Mais j'ai pas d'attente sur celle-ci. Voilà, ça c'était les couvertures tricotées. Et maintenant, couverture crochetée. Alors là, ça devient super excitant. Parce que le crochet en couverture, c'est vraiment vrai. Ah, les couvertures au crochet, c'est quasiment des premiers amours de couverture au crochet.
C'est vrai, j'ai commencé par une couverture au crochet et maintenant je trouve ça bien aussi de varier avec la couverture en tricot. Sincèrement, le geste n'étant pas le même, les techniques, les couleurs, tout ça, ça ressort tellement différemment que ça fait vraiment du bien de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est comme un repos de l'un à l'autre. En tous les cas, j'ai sorti aujourd'hui deux couvertures au crochet que j'aimerais faire cette année et aussi une couverture pour cet été que j'aimerais commencer. Tout d'abord, ce projet qui est dans ce bas, qui normalement est dans ma cuisine, hein, près de mon fauteuil, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas touché mes crochets. J'ai eu une grosse période de creux, zéro motivation pour le crochet. Et là, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est les beaux jours qui font ça, j'ai à nouveau envie de revenir à mes couvertures en crochet. Donc là, je suis en train de faire une couverture pour la chambre de ma fille. On avait acheté des lits superposés l'été dernier pour la chambre de Cheyenne, vu qu'elle reçoit des correspondantes italiennes. C'est toujours bien pratique, ça prend pas beaucoup de place les lits superposés, et puis ça permet à chacune d'avoir son lit. Ce qui fait que là, j'avais acheté les housses de couette assorties, housses d'oreiller, et puis je me suis dit, tiens, c'est le fin de cette couverture que j'ai commencée. Je pourrais peut-être la faire pour la mettre au pied du lit superposé. Chacun aurait la même couverture, mais pas dans le même ordre de couleur. Les mêmes tons, mais pas dans le même ordre. Donc, comme j'en ai suffisamment, alors je vous montre ce que j'ai. J'ai mis dans le bac ici. Alors il y a tout ça. Et il y a tout ça aussi. C'est que des restes, des morceaux de balles de laine que j'avais. Tout ça c'est du Stylecraft. Je vais vous montrer parce que j'ai le label ici. Celle-ci, c'est du Stylecraft. Spécial JK. Elle est douce, elle est souple. Elle est vraiment très abordable comme laine. Elle passe à la machine, elle bouge pas. Elle passe au sèche-linge, elle bouge pas. Ça fait des années que je les utilise pour les couvertures. Et sincèrement, je les adore. C'est Attic24 qui me les a fait découvrir, hein, avec toutes ses couvertures et son blog. Et avant, je les achetais en Angleterre. Il y a une boutique en France. Donc je vais vous mettre les liens aussi. Oh, elle est bien cette laine, les couleurs sont belles. Bon, il y a toujours des beaux projets à faire. Donc là j'avais tout un tas de laine qui restait de couvertures que j'avais pu faire, des choses que j'avais aussi achetées pour faire d'autres couvertures. Donc je prends ces laines là, j'y vais vraiment au feeling, c'est un grani tout simple. Hop. Vraiment le grani simple, simple, simple. Et puis je commence par faire un rond de chaque couleur. Et puis après j'y vais, alors j'ai pas d'ordre précis, hein, j'y vais vraiment au feeling. Et après je fais, là j'ai fait deux rangs, vous voyez. Deux rangs, un rang. Là je vais faire un deuxième rang ici. Et puis peut-être qu'à force je ferai peut-être trois rangs d'une même couleur, vu que j'ai quand même des balles complètes. Donc voilà, bon, je vais en faire deux. Et comme je disais, c'est juste pour poser au pied du lit comme ça. C'est pas pour recouvrir le lit. C'est vraiment pour avoir quelque chose d'appoint, quoi. Les enfants, ils adorent, hein, quand ils sont malades. C'est « Maman, va me chercher ma couverture en laine, s'il te plaît. Oh, est-ce qu'on peut lire avec la couverture ici, là, dans le salon ?» Moi, j'aime bien quand ils font ça. Ils ont chacun leur couverture, ils ont leur livre, leur petite lumière ou je ne sais quoi. Bon, même nous, on aime bien, hein, franchement, la couverture en laine. C'est vraiment du plaisir à 100%. Voilà, donc celle-ci qui est bien commencée. Pour faire un comparatif, j'ai sorti une couverture que j'avais déjà faite. Celle-ci, on l'utilise pour le jardin l'été. Quand c'est un peu plus frais le soir et tout. Donc, hop, vous voyez la grandeur du carré. Et bien, je vais faire un peu plus grand. Je vous montre si je la mets superposition, hop, par rapport au carré, vous voyez, il y a une différence. Je vais la faire plus grande. Je vais vraiment la faire pour qu'elle puisse bien descendre de chaque côté du lit et avoir une belle grandeur. Bon. Ça, c'était vraiment une comparaison. Et puis, j'aime bien. J'avais mis les glands. Je pense mettre des pompons à celle-ci. Je trouve que ça lui donne un petit plus. Voilà, donc ça c'est le premier couverture projet crochet que je vais faire. C'est pour ma fille, il faut que j'en fasse deux. Elle adore le violet et le rose, donc on est vraiment pile dans les tons. Et puis
de temps en temps, hein, 10 minutes, allez hop, je vais faire quelques morceaux de granit et puis bah force, ça monte bien. Un autre projet que je fais aussi en granit, là je vais vous montrer les couleurs hop, que j'ai sélectionnées, c'est pour mon salon. Ça c'est des bacs que j'ai ramenés du Québec. L'été, il y avait chez Walmart, il y avait tout le temps des bacs comme ça, ou même peut-être bien au Dollarama. Non, non, je crois bien que ça vient de chez Walmart, cela. C'est drôlement pratique. Je les ai ramenés, je les aimais bien. Ça, c'est ma sélection pour le salon. Il y a des bleus, des verts, des jaunes. Je sais pas si vous voyez la différence de jaune. Il est très très clair et très lumineux ce jaune. Voilà, il y a des bruns. Je sais pas encore si je vais mettre le brun et le blanc, mais en tous les cas, le bleu, le vert, tout ça, oui. Alors là, j'ai commencé, c'est aussi du granit. Mais je vais faire plusieurs carrés granit que je vais coudre tous ensemble. Et j'ai fait des grands granit comme ça. Donc celui-ci, c'est le premier. Là, je vais en commencer un deuxième, c'est pareil. Je vais pas nécessairement aller dans le même ordre de couleurs. Je vais faire différentes couleurs. Par contre, je vais toujours finir avec le bleu, ce bleu-là. Là c'est pareil, hein. J'y vais par contre avec un seul rang de chaque couleur. Et puis quand je termine, je fais un rang en granit et ensuite je fais un rang en demi-bride. Comme ça quand je vais faire ma couture, ça va faire un beau rang bien droit pour la couture. Voilà, donc je vais en faire plusieurs, c'est pour le salon, pour varier un peu, parce que j'ai les couvertures chevron, j'ai la couverture en rayures, et là je me suis dit, bah, ce serait fun de varier aussi. C'est aussi de la Stylecraft, pour les deux j'utilise un crochet 4 mm, c'est la taille standard que j'aime, je trouve que c'est ni trop gros ni trop petit, encore une fois, je trouve que c'est ce qui est le moins fatigant, et puis bah, la Stylecraft, hein, toujours aussi bien. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet que j'ai pour cet été. Et là, j'ai mis dans mon sac que j'avais fait l'année dernière. Pareil avec la Stylecraft. Bon, là, j'avais pas suivi de patron. Hein. J'y suis allée vraiment comme ça. cette année, non, l'année 2023, j'ai découvert une sorte de laine qu'a sorti la compagnie Woolwearer. C'est une boutique qui est en Angleterre. C'est là où j'achetais tous mes packs de Attic 24. Et puis, ils ont sorti une gamme de laine pour leur propre boutique qui s'appelle Yarnsmith Create. C'est de la double knit, donc de la tiquée. Et vous pouvez le voir ici, c'est de chez Woolwearer. J'aime bien cette boutique. Et même si j'ai des frais de douane à payer, je trouve qu'ils ont des choses qu'on n'a pas ailleurs. Donc j'aime bien y aller quand même. Et donc quand ils ont lancé cette gamme de laine, je me suis dit, elle est pas mal d'indiquer. Je crois, sans me tromper, qu'en ce moment elle est comme à 2 livres sterling. Donc c'est vraiment pas exagéré. C'est à peu près les prix aussi qu'on a chez Stylecraft. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Alors deux choses, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la différence. Je vais en prendre une qui est celle qui est encore accrochée. Elle est où ? Là. Vous voyez la différence de texture ou pas ? Celle-ci, elle est moins brillante et elle est beaucoup plus pelucheuse. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ah, c'est difficile à vous montrer. Peut-être avec la texture des carrés. Ah, c'est léger. Hein. Celle-ci, qui est de la Yarnsmith, et celle-ci qui est de la Stylecraft, elles ne rendent pas du tout pareil en termes de texture. Et je crains que la Yarnsmith bouloche un peu avec le temps. Je ne sais pas comment elle se comporte.
dans la machine ou quoi que ce soit, hein, parce que je viens juste de l'essayer. Mais bon, j'avais envie d'essayer cette laine-là quand même. Je trouvais que bon, bah, pour le prix, c'était pas mal. C'est du 100% acrylique. Et puis, elle est aussi bien pour tricoter que pour crocheter, hein, mais je crains qu'elle bouloche. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas non plus les choses qu'on lave tout le temps les couvertures comme ça. Hein. On les lave une ou deux fois par saison, puis c'est tout. Donc là, j'ai acheté plusieurs couleurs, j'en attends d'autres. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait des essais. J'ai envie aussi d'une couverture, mais granny, mais d'été. Vraiment, un peu comme... En y allant, voilà, comme dirait ma fille, comme ça vient. Sauf que je me suis dit, les granis, ça va bien 5 minutes parce que j'ai déjà les couvertures granis. Et j'ai envie de quelque chose qui fasse à la fois à l'ancienne, mais à la fois avec un petit twist. Et là, je suis allée voir donc, le blog de Attic24, donc Lucie, et je me souviens qu'en fait, c'est une amie qui me l'avait fait connaître. Elle avait découvert avec ses granis avec des fleurs. Et je me souviens parce qu'elle m'avait demandé de lui faire l'explication pour l'écharpe comme ça avec des granis qu'avec des fleurs au centre. Elle avait du mal à comprendre comment on faisait les fleurs. Et donc c'est comme ça que je l'avais découvert. Et c'est ça qui m'avait fait waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et donc j'ai fait un essai avec la, si je me trompe pas, Flower Summer Blankets. Je sais plus comment elle l'appelle. Summer, Flower, je sais plus. Je vais vous mettre le lien, je vais la retrouver. Ça c'est un granit simple. Je vais essayer de bien vous le mettre. Et ça c'est un granit avec la fleur au milieu. Et je trouve ça vraiment très, très chouette de faire ça comme ça. Ça permet de varier. C'est pas bien plus compliqué que faire un granit hein, dans le fond. Parce qu'après c'est juste le centre qui est arrondi. Après on reprend le granit. Voilà, donc je me dis... Ça permet de varier. Mon granit, il se tient pas bien. Hein. Donc, j'ai fait des tests. J'attends encore des couleurs parce que ça, c'est très bien. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque un autre vert. Il manque un autre rose. Il manque un autre jaune. Et il manque du orange. Et j'ai pris du noir aussi. Donc, je devrais recevoir tout ça et faire... Vraiment, la couverture, à la limite, je dirais même bohème. Vous savez, le style avec toutes les couleurs, un peu flash. J'ai pris du fuchsia, j'ai pris du orange qui pète, etc. Voilà, c'est vraiment la couverture d'été. Donc là, j'ai fait des essais. Je suis vraiment fan de ce granit-là. Faudra les coudre. Quoique, j'ai regardé une vidéo tuto qui montrait comment joindre des granits en ayant la même bordure, tous la même bordure ou pas. Et donc les joindre en allant. Donc je sais pas, j'hésite, je vais essayer de m'entraîner pour voir si c'est facile. Sinon c'est pas grave, je les ferai en couture, c'est pas un problème. Mais je voulais vous montrer voilà, ce que j'ai testé. Pour un futur gros projet de couverture, mais d'été. Donc lui je me le garde, je vais pas le monter tout de suite, j'attends de recevoir la laine. Et je me le garde pour aller disons le printemps, la fin du printemps pour le faire cet été. En fait, je voudrais le faire cet été. C'est quand même plus facile d'amener du crochet que du tricot, surtout quand il y a du mohair. Pour l'extérieur, c'est quand même mieux, surtout s'il fait chaud. Voilà, donc ça c'est pareil, en crochet numéro 4. À nouveau, j'ai préparé une pochette avec le matériel. Donc j'attends plus que la laine, et puis bah écoutez, je ferai un essai, je verrai ce que ça donne, et puis hop, ça partira en allant, comme dit Cheyenne. Il y a juste un dernier truc que je veux vous montrer. Alors, je l'ai mis ici. Parce qu'on parle de crochet et de granit. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion aussi de vous en parler. Je me suis mis ma plaque. Vu que je fais cette couverture-là. Et que je suis en train aussi de me coudre quelque chose pour recouvrir mon édredon. Qui est ici. Je me suis dit que ce serait bien de me faire des coussins. Ça manque de coussins. Et pour tout vous avouer, mon mari il déteste les coussins sur le lit. Teste les coussins tout court d'ailleurs, que ce soit sur le divan ou sur le lit, il me les bazarde à chaque fois. Et le soir il me dit c'est quoi ce foin, ouf, les coussins qui volent partout. Il aime pas ça, mais j'adore ça les coussins, et plus il y a de coussins et mieux c'est, et on est bien calé, et quand on tricote ou quand on lit, j'aime bien avoir quelque chose ici. Et je me suis dit oh. Un coussin en crochet,
très bien, non? Voilà, donc ça va dans la lignée des couvertures, mais ça va être un coussin. Donc j'ai commencé à faire des, pareil, des granits. C'est la fiesta des granits hein, aujourd'hui. Mais voilà, j'ai commencé à faire des granits. Et je vous montre. Oh, ils sont tellement beaux. Tout en pastel. Et regardez un peu. Hop, je les ai mis. Attendez, je vais faire comme un jeu de cartes. Je les avais posés tout à l'heure sur ma couverture. C'est beau. Oh, je trouve ça trop beau. C'est hyper agréable. Quelle que soit la couleur, ça va bien avec. Donc, let's go pour le coussin. Alors, je vais faire des carrés granit pour le devant. Je vais me coudre. En fait, j'ai des vieux oreillers. Hein. À un moment donné, les oreillers, ça devient n'importe quoi. Du mal à trouver des oreillers de qualité. Donc, il faut les changer régulièrement. Les vieux oreillers, je vais garder, je vais couper la pochette, je vais garder la bourre. Et je vais en faire mes découssins, vu que c'est comme tout, mis n'importe comment maintenant. Je vais bien reprendre la bourre, la tasser et faire une pochette comme ça. Et bien caler ça. Et ensuite, je vais faire ma housse de coussin avec des granits devant. Et quelque chose de tout plein derrière. J'ai pas nécessairement envie de faire tout un truc en crochet derrière. Et je me disais, soit je fais granit, soit je fais granit et une pochette en tissu derrière. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais les coudre les uns aux autres. Quand je les aurai tous faits, je vais déjà bord. C'est la fin de la journée. Je vais d'abord faire ma pochette à coussin pour voir quelle grandeur j'ai besoin. Et ensuite, je vais faire les granits en fonction de ça. Donc, j'utilise les mini pelotes de coton de chez Rico. Je vous montre. C'est Rico Rumi. Ah, c'est... Oups. C'est tellement clair. C'est tout argenté. Hein. Ah, voilà, Rico Rumi. C'est de la Dike aussi, 100% coton. Et ceci, c'est les couleurs pastel. Parce que je sais qu'il y a d'autres couleurs aussi. Ça fait des mini pelotes. Elles sont belles ces pelotes. Voilà, donc je vais faire ça avec ça. Je suis pas pressée non plus. Je me fais mes carrés. Le tour sera blanc. Et puis bah, je les bloque au fur et à mesure sur ma plaque. Je l'avais eu chez Rascol cette plaque. Et ça c'est bien pratique, ce qui fait qu'ils ont déjà leur... Alors là, j'ai pas besoin de les asperger d'eau, de les bloquer ou quoi que ce soit. Hein. Alors, rien que de les laisser un bon bout de temps, déjà, ils ont bien pris leur forme. Hein. Et voilà, donc. Le projet, crochet, mais coussin cette fois-ci. Bon, allez, on va dire que ça marche avec les couvertures. Hein. Mais voilà, c'est ce qui fait que, bah écoutez, il va falloir que je fasse ça et que je revienne vous en parler des avancées. C'est plutôt chouette tout ça. Ça donne envie de s'y mettre, donc je pense qu'une fois que je vous aurai laissé, je vais peut-être essayer de faire un ou deux carrés et puis on s'en reparlera. On refera un spécial aventure, couverture et coussin pour 2024. Ce qui fait que, bah écoutez, on se donnera des nouvelles de tout ça. En attendant, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Passez des bons moments, que ce soit tricot ou crochet. Et des belles journées. Le soleil arrive bientôt. Je crains que le froid revienne. Mais c'est pas grave. Hein. Le jardin, il en a besoin aussi. Mais on s'en va vers les beaux jours. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt! Carré à ma couverture. Je vais vous montrer comment je monte mes carrés d'un bord et de l'autre. Ici, c'est mon premier carré de démarrage. Ensuite, je suis le patron qui est préconisé avec la patchwork blanket. J'ai fait
ce carré, ce carré, celui-ci. Ensuite, celui-ci, 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 et ainsi de suite, en suivant bien cette ligne. Donc, une ligne ici, une ligne là, il faut que je reprenne mes carrés dans ce sens, et ensuite dans ce sens. Donc là, je vais faire un montage ici, et je vais reprendre toute une ligne, et ensuite je ferai des montages de l'autre côté. Donc là, je vais vous montrer comment je monte mes carrés d'un bord et l'autre, pour que mes lignes, ici, vous voyez les lignes, soit toujours dans le même sens. Là, on voit bien les lignes qui se suivent. C'est en fait la ligne de réduction de chaque carré. Et la façon dont on monte les carrés, c'est ce qui va faire qu'il y a une suite. Donc quand on va monter cette ligne ici, le premier carré, c'est un montage particulier parce que vous voyez ici, il n'y a pas de bord. Et de l'autre côté, ça va être un autre montage. Ça ne va pas être du tout fait de la même façon d'un bord et de l'autre. Ensuite, une fois qu'on a fait notre premier carré, après c'est facile de reprendre les mailles de chaque côté. Mais là, vous voyez, hop, il va falloir que je reprenne mon carré sur le côté. Donc je vais vous montrer comment je fais pour monter et relever les mailles, parce que c'est facile. Hein. On a des belles bordures ici pour relever les mailles. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et en fait, il n'y a pas de couture, puisque c'est tout relevé et monté directement sur la couverture. Voilà, l'arrière, ça vous donne ça une fois qu'on a fait le relevé de maille. Pour info, vous voyez que mes carrés sont grands. Je tricote 56 mailles en tout, 28 d'un bord, 28 de l'autre. Et je fais mes réductions comme le patron le préconise. J'ai juste adapté le nombre de mailles pour avoir des grands carrés et aussi le numéro d'aiguilles. Je tricote avec des aiguilles 4 mm et un mélange de fil mohair et de fingering ou de laine à chaussettes. Voilà. Je tricote avec les deux fils ensemble. C'est ce qui donne le côté chiné. Ici, c'est de la laine Drops Alpaga. Et vous avez aussi le petit duvet de mohair hein, qui ressort, qui fait tout dufteux. C'est tellement beau. J'utilise un peu tout, j'allais dire, des restes que j'ai. Donc ça, c'est des restes de laine à chaussettes que j'ai déjà tricotées. J'ai des mini-échevaux que j'ai achetés exprès, que j'ai eu aussi en cadeau. Voilà, je garde un petit peu tout ça dans mon sac. Et je fais le mix de couleurs au fur et à mesure. Voilà, c'est juste pour vous prévenir que vous pouvez adapter votre couverture. Moi ici, je l'ai adaptée pour pouvoir la tricoter en 4 mm. Je pourrais très bien utiliser de la laine d'Ikea aussi. Mais je mélange avec le mohair. Voilà. Et j'ai adapté le nombre de mailles pour avoir des grands carrés. Tout est possible, la technique reste la même. Donc là, je vais tricoter des carrés tout le long de ces carrés-là. Donc en tout, 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Je vais monter mon premier carré juste ici et le raccrocher à celui-là. Pour commencer, je vais monter des mailles qui vont correspondre aux mailles de la bordure ici. Et ensuite, je vais venir relever les mailles sur le bord de ce carré-là. Et là, j'aurai mon premier carré. Donc, je vais déjà monter 28 mailles et ensuite relever 28 mailles. Voilà, j'ai monté les mailles qui correspondent à la bordure de mon carré, ici. La bordure qui longe tout le long. Je vais mettre un marqueur de mailles pour repérer mon centre. Et ensuite, je vais venir relever les mailles qui sont le long ici. Le nombre de mailles ici et le nombre de mailles relevées est exactement le même. Donc j'ai monté moi 28 mailles, je vais en relever 28. J'ai monté mes 28 mailles, je mets mon marqueur et je vais venir relever les mailles tout le long de mon carré ici. Pour relever les mailles, vous allez voir que c'est facile parce que ici, la bordure, avec la technique qui est proposée dans la patchwork blanket, c'est des mailles, à chaque fois la première maille est glissée, la dernière maille est tricotée de façon torse par la boucle arrière. Ce qui vous donne une belle bordure comme ça, à chaque fois vous avez une belle bordure. Et donc pour relever les mailles, vous allez venir relever
entre les deux points ici. Vous voyez, ça fait des petites bosses. Ben, faut venir relever les mailles entre les petites bosses. Je vais vous montrer ça de plus près. Je dois relever 28 mailles en tout. Donc je vais commencer bien dans le coin, ici, avec mon fil. Je vais tricoter la maille. Hop. J'ai ma première maille. Ensuite, je viens à nouveau relever entre les deux petites bosses ici. Vous voyez les petites bosses à chaque fois? Quand vous écartez bien, vous voyez bien les mailles. Donc là, je vais relever la maille ici. Et à chaque fois, je fais une maille. Et ça, tout le long, pour avoir mes 28 mailles jusqu'au coin. Pour mon premier carré, donc de ma ligne ici, j'ai monté les mailles qui sont dans la continuité de ma bordure et j'ai relevé les mailles pour que ce soit bien attaché au carré ici, à toute ma couverture. Je vais suivre les indications du patron pour faire les réductions, donc mes réductions vont être vraiment dans le même sens que tous mes autres carrés. J'oublie pas de mettre mon marqueur pour bien identifier les mailles du centre et donc quand je vais tricoter mon carré, hop, ça va se réduire exactement de la même manière. Ensuite, quand ce carré-là sera tricoté, je vais venir relever les mailles le long du carré et les mailles le long de ce carré ici pour tricoter un autre carré et avoir les réductions à nouveau dans le même sens. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma bordure, hein, jusqu'au bout. Donc ça me fait 5 carrés pour l'instant que je dois tricoter. Donc là c'est parti, je vais pouvoir le tricoter. Et ensuite c'est facile, hein. Après on a juste à remplir entre deux carrés à chaque fois. Là, je m'apprête à terminer le dernier carré sur ma ligne ici. Comme je vous le disais, la couverture, elle commence par ce carré ici, le premier carré. Ensuite, on vient faire un carré à droite, un carré à gauche, on vient remplir. Et ensuite, on vient faire des lignes comme ça, et ainsi de suite, et ça grandit notre couverture. Donc, on vient grandir notre couverture sur la droite et ensuite grandir notre couverture sur la gauche. Là, je vous ai montré comment monter le carré sur la droite. On commence par les mailles libres ici, qui vont être dans la continuité de la bordure, et on vient reprendre les mailles qui sont sur le carré précédent. Après, c'est tout simple, on a juste à relever les mailles qui sont entre les deux carrés. Vous voyez ? Hop. Donc là, je m'apprête à reprendre les mailles sur ce carré et les mailles sur ce carré. Et là, je vais avoir mes diminutions qui vont être bien dans la lignée de toutes mes autres diminutions. Ça fait des belles lignes. Ensuite, on va venir monter les carrés sur la gauche. C'est un tout petit peu différent que de les monter sur la droite. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. Je repars avec en point de repère mon premier carré de ma couverture, puisque c'est lui qui me donne le sens de mes diminutions. En faisant un montage sur la droite et ensuite un montage sur la gauche. Et vous voyez que quand je regarde sur la gauche, ici, mes diminutions partent à gauche. Quand je regarde sur la droite, ça part sur la droite. C'est tout bête, hein, ça paraît logique, mais en fait c'est un vrai repère. Et donc ça, c'est la ligne que je viens de terminer avec le montage à droite. J'avais commencé par monter les mailles ici et j'ai relevé. Ensuite, j'ai fait relever, 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 relever. Et vous voyez que toutes mes diminutions du centre sont sur la droite. Maintenant, je vais vous montrer comment faire sur les carrés pour la diminution vers la gauche. Et là, je vais positionner mon premier carré pour ma ligne.
c'est toujours le premier carré qui paraît le plus compliqué. Après, il y a juste à relever les mailles, relever, de la même manière qu'on l'a fait pour l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on va commencer par relever les mailles sur le carré précédent et ensuite on monte les mailles pour être dans la lignée de la bordure qui mène jusqu'à mon premier carré. Voilà. Hop. Je viens d'abord relever mes mailles. J'oublie pas de mettre mon marqueur pour bien identifier le centre pour que mes réductions soient bien centrées. Et ensuite, je viens monter les mailles. Et c'est ce montage-là qui est un peu particulier. Donc, je vais d'abord relever les mailles et ensuite, je vous montre comment monter les autres mailles. Voilà, vous pouvez voir, j'ai relevé les mailles sur mon carré. Maintenant, je vais venir monter les mailles qui vont sur la bordure. Je place mon marqueur et je vais passer mon fil de l'autre côté. Hop. Je vais placer mon fil ici. Et avec mon pouce, je vais entourer la laine comme ça pour faire comme une boucle qui se croise. Regardez. Je prends mon fil, je prends mon pouce et hop, je fais une boucle qui se croise. Et je viens glisser mon aiguille dedans, je tire mon fil, j'ai une maille de fait. Deux mailles. Je viens à nouveau faire ma boucle, glisser mon aiguille, hop, et trois mailles. Et ainsi de suite jusqu'au nombre de mailles que vous souhaitez monter. Ça vous donne une petite bordure comme ça, qu'on va venir tricoter ensuite, comme des mailles tout à fait normales, quoi. Maintenant, je vais tricoter mon carré avec les instructions du patron. Donc là, je vais tricoter les mailles que je viens de monter. Il faut surtout bien veiller à ce qu'elles restent dans le même sens parce que ça peut twister comme ça. On veut que ça reste bien dans le même sens que les mailles qui ont été montées ici. Et vous voyez qu'ici, ça fait comme large. Ça, faudra vraiment bien serrer aussi pour que les mailles restent bien tout ensemble. Donc là, je vais bien replacer mes mailles. Voilà, comme ça, elles sont toutes dans le même sens. Et je viens les tricoter comme je tricoterai les mailles que je venais de monter. Donc là, je viens passer dans la boucle et la première maille est glissée. Et ensuite, je tricote mon rang. Maintenant que j'ai fait le montage, j'ai plus qu'à tricoter mon carré et les carrés qui vont se suivre. Donc une fois que j'aurai tricoté celui-ci, j'aurai plus qu'à relever les mailles là, mettre mon marqueur, relever les mailles ici. Pareil pour celui du dessus, je relève les mailles, je viens relever les mailles sur le côté. Et ce qui permettra d'avoir les lignes de réduction vraiment toutes dans le même sens. Donc là je suis partie pour faire toute ma ligne. Et juste une dernière chose, n'oubliez pas que vous relevez et vous montez les mailles toujours sur l'endroit. Quand vous relevez, c'est toujours sur le côté endroit. Le premier rang de relevage et de montage se fait toujours sur l'endroit de la couverture. C'est ce qui vous permet d'avoir des belles finitions. Sinon, quand vous relevez les mailles, voilà ce que ça donne. Une espèce de petit bombé sur l'arrière. C'est aussi une bonne chose à savoir et un bon repère. Toujours sur l'endroit. Bon tricot !